avait lieu du 11 au 15 février dernier, les Journées de la persévérance scolaire. Et aujourd'hui, j'ai Joanne McMillan du regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Bonjour. Bonjour. Tu vas venir nous parler de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a changé dans la vie de dizaines de milliers de jeunes étudiants et qu'est-ce qu'on espère changer dans la vie de dizaines de millions de jeunes Québécois au fil des années, peut-être. Bien, bienvenue sur l'émission. Merci. J'aimerais commencer avec quelques petites statistiques qui vont peut-être faire sursauter quelques personnes. Ça a été un sondage qui a été fait auprès d'une clientèle qui a soit décroché ou qui a raccroché, combinaison des deux. 82 % des jeunes vulnérables au décrochage estiment que la persévérance scolaire relève d'une responsabilité collective, donc c'est pas juste dans ses livres et leçons. 29 % des jeunes vulnérables au décrochage et une statistique que Joanne m'a présentée tout à l'heure, 32 % des jeunes qui ont pensé à décrocher mais qui ne l'ont pas fait affirment que ce sont les encouragements qui ont fait la différence dans leur décision de rester à l'école. Donc, des fois, c'est des petites affaires qui coûtent pas cher, hein? Exact. Bien, justement, le but des Journées de la persévérance scolaire, c'était entre autres d'envoyer le thème de cette année, nos gestes, un plus pour leur réussite. Et parmi les gestes, l'encouragement, ça nous coûte rien, là. Ouais. C'est juste d'y penser. Et ça fait une différence quand 32 % des jeunes nous disent « Moi, si j'ai pas décroché, c'est vraiment parce que mon entourage m'a encouragé. » C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est un sur trois qu'on a réussi à garder à l'école par la simple... Et on est sur une statistique où on parle de raccrocheurs. Oui. Alors, on peut s'imaginer tout petit. Mm-hmm. Hein, souvent, on a tendance à encourager les enfants quand ils apprennent à marcher. On les applaudit, on les félicite, on les encourage. Mais plus ils grandissent, souvent, on commence à oublier. Aller, hein? Oui, et vraiment, là, de souligner les efforts, les défis qui sont relevés dans le quotidien, comme à des étapes particulières, comme lorsqu'on a un bulletin, etc. C'est vraiment un geste qui est très, très simple, qui d'ailleurs est très valorisé durant les Journées de la persévérance scolaire. Le regroupement, justement, on invite l'ensemble de la communauté, tous les milieux, pas seulement le milieu scolaire, le communautaire, les gens d'affaires, les gens... Parce que les gens d'affaires vont se retrouver avec ces étudiants-là qui auront soit décroché, raccroché, clairement, et effectivement, peut-être obtenu ou pas un diplôme. Là. Oui, et ils peuvent jouer plusieurs rôles, donc plusieurs gestes peuvent être posés. On parle de cette communauté d'affaires. Ça peut être de soutenir la conciliation études-travail, ça peut être d'accueillir un jeune en stage, l'aider dans son orientation professionnelle. C'est clair que c'est des graines qu'on sème et qui seront récoltées peut-être plus tard, mais comme communauté, on a tout intérêt à s'assurer que nos jeunes se qualifient ce diplôme minimalement. Puis les journées sont là, entre autres, pour rappeler l'importance qu'on soit tous autour de nos jeunes pour les amener jusqu'à leur diplomation, qualification, et encore plus, parce que au collégial aussi, c'est important. Universitaire ensuite. Exactement. Et notre collège était très dynamique, très actif durant la semaine. Donc, c'était vraiment là, le temps d'envoyer un message très, très clair à l'ensemble de la communauté. L'année dernière, tu étais venue faire ton petit tour avant la semaine pour la semaine des Journées de la persévérance scolaire. Cette année, ça se passe a posteriori. Oui. OK. Parle-moi, qu'est-ce qui a été la principale différence versus l'édition 2018 et ce qui s'est passé en 2019? Et qu'est-ce que... On avance? On avance. On avance au rythme voulu? On voudrait avancer plus vite ou on a pris un petit peu plus de terrain puis on peut dire, bon, bien, écoute, on a réussi ce qu'on avait à faire? Bien, notre premier boulot, nous, comme regroupement Lavallois, c'est de mobiliser. Et on peut dire que, vraiment, les gens ont répondu présents. On a eu plus d'inscriptions de partenaires qui ont commandé du matériel, nous ont informé des activités qu'ils allaient déployer durant cette semaine-là. Donc, c'est au-dessus, là, on avait 175 l'année passée, on est à 230. Wow. On touche, là, bon an, mal an, autour près de 60 000 jeunes, près de 25 000 parents, 4 000 quelques enseignants et 2 000 quelques intervenants. Donc, on voit, là, que... Puis ça, c'est ce qu'on est capable de recenser. C'est juste sur le terrain à Laval, ça. Oui, c'est juste Laval et c'est ce qu'on est capable de recenser. Parce qu'on voit plein de choses qui sortent sur les médias sociaux. On voit plein de gestes et d'activités qui sont posées qu'on ne comptabilise pas, dont on est témoin. Et on essaie de faire beaucoup, beaucoup de bruit puis de mettre tout ça en valeur, mais vous comprendrez qu'à cette quantité-là d'activités et de gestes, ça devient un peu difficile. Bien, mais oui, l'idée, c'est que c'est pas grave si on en perd le contrôle. C'est très, très bien, en fait. C'est que tout le monde est en action, est en mode persévérance, est en mode encouragement. Donc, ça a été encore une fois là, une semaine très dynamique. On a eu un super beau lancement. Il y avait 100 partenaires avec nous à la Maison des Arts.
On a interviewé des jeunes, on a des belles petites capsules vidéo, des jeunes, des tout-petits, des ados, des jeunes adultes et de nos partenaires aussi qui nous témoignent. C'était quoi les gestes ou les personnes qui ont marqué, qui ont aidé à leur réussite? On a même Monsieur le maire qui nous témoigne de qui sont les personnes dans leur vie qui ont fait une différence. Alors, ça invite aussi les jeunes à réaliser que bien, c'est normal que sur notre route, s'additionne plein de personnes, d'activités, de gestes qui viennent faire notre réussite. Donc, c'était vraiment une semaine fort emballante. Écoute, on va rentrer dans le personnel, là. On a tous un professeur, à un moment donné, qui nous a marqué. Toi, c'était qui? Moi, ça a été un enseignant au primaire. C'était un homme qui, vraiment, de par tout ce qu'il amenait dans la classe comme approche, a fait en sorte que moi, qui étais un petit peu tomboy, tout d'un coup, c'était comme s'il disait « C'est bien correct que tu sois un petit peu tomboy. » Moi, j'apprécie ça. Puis ça a été vraiment quelqu'un là, qui nous a appris à chanter, qui nous a appris à être physique autant qu'intellectuel. Donc, je trouvais que c'était... M. Yvon était quelqu'un de très inspirant puis qui donnait de la valeur à chacun d'entre nous. Donc, voilà un exemple là, très simple. J'imagine que tu en as un, toi aussi, un enseignant. J'en ai un, c'est pas ma job de le dire, mais écoute, je vais le dire juste pour appuyer tes dires, parce que c'est vrai, ça prend pas grand-chose des fois, juste une motivation. Moi, maths secondaire 3, je l'ai refait trois fois. Moi, quand on a mélangé les chiffres et les lettres, ça rentrait pas. Et puis la troisième fois, je l'ai fait, je suis tombée sur un nouveau professeur, un jeune professeur, qui savait que je jouais de la guitare, parce que je me prenais tout le temps avec mon caisse de guitare. Puis il dit, tu sais quoi, moi, je joue du drum, j'ai mon drum au-dessus du gymnase. Après l'école, ça tente, on va se faire un petit jam, puis on se fait un petit baseball mathématique. Là, j'ai comme, ouais, encore des astuces pour me rentrer dans l'affaire du bourrage de crâne. Puis finalement, ça a juste fait un lien que, tu sais quoi, même si je n'arrachais dans le cours, je voulais pas le décevoir, puis je l'ai passé. Donc, ouais, ça appuie. C'est pas grand-chose, c'est juste, écoute... L'attitude, voilà. C'était pour beaucoup et voilà. De plein de gens autour de nous. Puis il y a malheureusement des territoires à Laval où il faut porter attention parce ça, que c'est vrai. Laval, c'est une grande ville, c'est vrai, mais il y a des secteurs de Laval où les garçons comme les filles ont du mal à diplômer après 7 ans au secondaire ou à se qualifier. Je regarde les statistiques. Écoutez, à la maison, c'est un petit peu difficile à voir, mais ce qui est en jaune, ce qui est en rouge, orange, ce qui est en rouge, vert, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on remarque beaucoup d'orange et puis beaucoup d'orange et de jaune. Et puis, ça va aussi, veux pas, avec la démographie de certains quartiers, certaines régions. Oui, bien, certains territoires ont des défis, justement, là, socio-économiques plus difficiles, des parents moins scolarisés, des gens qui arrivent aussi au pays. C'est tout un défi de s'intégrer, d'apprendre une langue, de reprendre le rythme d'un cursus scolaire. Donc, il y a des grands défis. Ça veut pas dire que c'est pas possible là, de voir de l'amélioration. D'ailleurs, à Laval, il y a une belle amélioration depuis les 10 dernières années, là, on a vraiment augmenté juste le taux de diplomation. Juste voir le nombre de participants entre l'année dernière et cette année, on est 175 à 230. On espère que tout ça va porter ses fruits, bien entendu, parce qu'on commence tout petit, hein, à encourager, à valoriser, à être présent autour de nos enfants, à soutenir leur plein potentiel de développement. Donc, l'idée, c'est que ça transpire éventuellement dans nos fameuses statistiques, qui donc s'améliorent, mais dans certains territoires, ça reste encore plus ardu, oui, et il faut s'y attarder. Bien, écoute, un gros merci, Joanne. Je te tutoie parce qu'on commence à se connaître au fil des années. Et puis, il y a beaucoup de professeurs à l'écoute. C'est la semaine de relâche qui s'en vient. Beaucoup de parents à l'écoute. Oui. Pour vous rejoindre, regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Oui, tout est super sur notre important. Site, les capsules le site, vidéo, s'il vous plaît. RLPRE.org. Bien, un gros merci. Merci infiniment. Et puis, bonne continuité. Merci.